Coucou, c'est Farelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous une recette minceur, une boisson plus précisément, pour pouvoir vous aider à perdre du poids. C'est une recette très très simple à faire. Il vous faudra très peu d'ingrédients, comme d'habitude. Il vous faudra uniquement 3 ingrédients, dont l'un des 3 ingrédients est de l'eau, tout simplement. Je vous explique tout ça dans le tutoriel, on se retrouve juste après. Avant tout, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également de liker, de commenter, de partager cette vidéo à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est Réel Fait Réel. Place au tuto. Pour cette recette, il vous faudra du citron. Vous pouvez utiliser 2 citrons ou 1 citron. Normalement, 1 citron fera largement l'affaire. Le second ingrédient est de l'ail. Il vous faudra 3 petites têtes d'ail et 1 litre d'eau que l'on va faire bouillir dans une petite casserole. La première étape, c'est de tout simplement enlever les épluchures de l'ail et puis les couper en petits morceaux. Une fois que ceci est fait, je vais prendre le citron. Je vais découper le citron en petits quartiers. Une fois que l'eau a bouilli, je vais tout simplement rajouter mes ingrédients, l'ail et le citron. Une fois que j'aurai rajouté l'ail et le citron, je vais mettre à feu doux et laisser la casserole sur feu doux pendant 15 minutes. Après 15 minutes, je vais couper le feu et mettre le couvercle sur la casserole et laisser encore 10 bonnes minutes pour que le mélange puisse mijoter. Après 10 minutes, je retire le couvercle et je vais tout simplement verser la préparation dans une tasse pour pouvoir la boire. Cette boisson est à boire une à deux fois par jour, 15 minutes avant le repas. C'est vrai que le goût de l'ail peut être un petit peu fort pour certaines personnes. Alors vous pouvez rajouter, si vous le désirez, une petite cuillère à café de miel, mais c'est totalement facultatif. Vous pouvez garder le reste de la préparation au frigo jusqu'à 7 jours. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Petite remarque, avant de prendre cette boisson-ci ou toute autre boisson qui vous permettrait de maigrir ou même le contraire de prendre du poids, veillez toujours à demander l'avis de votre médecin parce que parfois on utilise des ingrédients même s'ils sont totalement naturels mais qui peuvent interagir par exemple avec vos médicaments ou qui pourraient avoir un effet hypertenseur ou hypotenseur par exemple. Donc veillez toujours à demander l'avis de votre médecin avant d'utiliser un quelconque remède même si celui-ci est totalement naturel.